toujours rappeler que Flaubert a dit, à propos des mercenaires qu'ils ont enfermés dans le défilé de la hache dans Salambo, le Gaulois qui meurt revoyait trois pierres dressées au fond d'un golfe brumeux. Mais le menhir ici, c'est un peu l'invitation au voyage. Je sais pas, c'est un peu l'invitation au blocage. Je lirai des livres que je trouve sur les quais. Plus ils sont mal foutus, plus ils m'attirent. Je dirais même comme Rimbaud des livres érotiques sans orthographe, sans épate. Je n'en ai jamais trouvé. Oui. Mais de grandes lectures, ça, ainsi j'ai entrepris. Enfin, de lire L'homme sans qualité de Mouzil. Le deuxième volume est un prodige de difficultés. Ce sont des conversations finaudes entre le frère et la sœur qui sont vraiment éperdues. Mais j'irai jusqu'au bout, hein, et quand je serai au bout, je vous le dirai. Oui. Et vous lisez plusieurs livres à la fois. Oui, parce que je lis plusieurs langues à la fois. Tenez, voilà Nietzsche. Un vieux Nietzsche, ce que Junger appelle le vieux Pulverkopf, le vieux tête brûlée. Puis voilà de l'anglais, ce sont des poésies du XVIIe siècle. Et puis, j'ai des livres russes que j'essaie de me remettre de temps en temps, avec un immense regret, parce que c'était ma vie. Ma poésie, c'était la poésie russe. Vraiment. Je peux le dire. J'ai traduit quelques poèmes d'Essénine. L'Essénine, c'est un frère. C'est le pauvre paysan de Ryazan qui est arrivé à Moscou avec son petit accordéon et sa sœur. Oh, mais Essénine, c'est la Russie. C'est la Russie matérielle. C'est presque les Vosges. Et vous avez traduit Le Grand Escroc de Melville. C'est un livre extraordinaire, le dernier livre de Melville, avec un personnage qui se transforme à chaque fois que le bateau s'arrête. Il descend un personnage, on le connaît, puis il en remonte un autre, c'est le même, on ne le connaît pas. Et puis il y a les grands romans mystérieux de Melville, par exemple, Pierre ou les ambiguïtés, où on est complètement perdu, et Melville le sait. Melville, le dernier Melville est sublime parce qu'il ne sait plus où il en est. Ce qui fait que, brusquement, il abandonne le roman pour écrire des grands poèmes. Des poèmes qui sont extraordinaires. Qui ont plus de 2000 vers, par exemple. On commence seulement à les lire. C'est le seul poète de la guerre de Sécession. Ah, le lecteur, eh bien, il faut plonger la tête sous l'eau et puis attendre qu'il refasse surface. Voilà, c'est mon rêve dans un roman. Et dans le dernier, j'ai l'impression d'y être un petit peu arrivé. Enfin, il est en bonne compagnie. Il y aura toujours un homme au milieu de la société du spectacle avec un livre dans sa poche. Parce que la communication avec un livre est vraiment unique. Elle est comme une expérience intérieure. C'est moi, je ne peux pas dire autrement. C'est moi, et puis c'est quelque chose qui est hors de moi, que je veux atteindre. Je parlais de la fameuse réalité, qui est toujours au-delà de la réalité. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on a la réalité qui n'est jamais là. C'est l'absence de tout bouquet qui est la réalité. Et j'ai beaucoup travaillé comme ça. Et tous ces carnets ? Ils sont très près de moi, oui, beaucoup trop près. C'est pourquoi je les détruis souvent. Car je découvre des erreurs, des colères, par exemple, des mauvaises humeurs, que tout à fait injustifiées.
Ils sont écrits dans un but de me pencher contre ce qui me faisait mal. Dans toutes les histoires, mettons féminines, il y avait toujours une phase de colère, toujours. Et si je les réunissais, ce serait fort. J'aurais l'air d'une espèce de personnage à moitié sadique qui pleure. Tout peut commencer dans un carnet. La nuit de Londres a commencé dans un carnet que j'écrivais en haut d'un autobus à Londres. Il a quitté le carnet quand il était trop petit. Les nuits ont été très importantes. J'ai passé des périodes nocturnes, notamment à Londres. Je veillais toute la nuit. D'ailleurs, il y avait un pharmacien, un vieux diable, qui possédait des comprimés qu'on donnait aux pilotes américains pour les raids de longue durée sur le Japon, qui duraient deux nuits. Il fallait que les pilotes restent lucides. Et alors il avait un stock de ces petits comprimés. Et moi j'en abusais, je trouvais ça épatant. Je pouvais travailler toute la nuit, absolument lucide, et le matin je m'en trouvais pas plus mal. Je ne peux pas vivre les souvenirs des autres, de quelques-uns, d'un seul, rien. Quelle limitation, quelle prison, quel défaut de sympathie. L'idée que d'autres n'ont même pas accès souvent à leurs propres souvenirs n'est pas pour me consoler. Mes propres souvenirs sont aussi un chemin vers ceux des autres, et l'inverse, et plus loin, vers une mémoire totale qui est peut-être l'origine perdue de chaque souvenir. Oui, mais qu'a-t-on d'autre à aimer que ce qu'on vit, que ce que l'on a vécu ? C'est là que toutes ces extrapolations, ces paraboles prennent origine. Je ne verrai, je n'imaginerai, je ne devinerai que ce que j'ai aimé à ma mesure. Quand j'écrivais cela, je cherchais à me condamner, à quelque chose de certain. Je sors de quelque chose qui n'est pas certain au début. Mais je me suis dit, il doit y avoir une certitude dans laquelle je peux me condamner. C'est moi. C'est mes uniques souvenirs, mes uniques formes. Il n'y a que cela. Je me disais, il n'y a que cela. En réalité, je me dis souvent, il y a autre chose. Il y a la totalité. L'impensable totalité. Mais en dehors de cela, il n'y a que l'expérience personnelle. Mais elle est une chose immense. C'est donc une recherche. C'est une recherche, oui. Une recherche. On cherche en soi-même ce qui y est et qu'on ne trouve pas souvent. Ah, quelquefois, je me dis, comme c'est rassurant d'avoir écrit. C'est la seule chose, au fond, c'est le seul berceau dans lequel on peut se remettre. Parce que tous les berceaux sont perdus. Il n'y en a plus qu'un, si on l'a. C'est un berceau d'écriture. On se recouche dedans, et il est tout sale, il est tout mélangé, tout crasseux, mais c'est le berceau de l'écriture. C'est quelquefois j'ai pensé à ça, oui. Je me suis dit, s'il m'arrive de mourir, on ne sait jamais, eh bien, je voudrais me coucher dans mon berceau d'écriture. En chaque endroit de la terre, tous les climats sont passés. Où nous supporte la pierre, l'infusoire s'est bercé. Ah, que j'ai regret de la mer première, où s'arrondissait ma cellule mère. Couleur du jour évanescent, flamme tournante des idées, levez vos robes déchirées pour le passage du vivant. Où se frôleront Daphnis et Chloé, papa Brontozon s'est bien remué. Un poème actuellement, il n'existe pas s'il n'est pas nécessaire. Un roman n'existe pas s'il n'est pas nécessaire. Nécessaire à son auteur, et puis nécessaire objectivement, il y a une sorte de mystère là-dedans. C'est que tel personnage surgit avec sa figure, il la gardera, et tout va lui correspondre. Et tout ce... Il y a une sorte d'interconnexion entre tous les personnages. La maxime de E.M. Forster, le romancier anglais, c'était
only connect. Ne faites que du rapport entre les personnages. Mais c'est vrai, only connect. Et c'est très riche de mettre en rapport un personnage avec un autre. Ça déclenche de l'étonnement, chez eux, de l'étonnement, peut-être une passion, peut-être le contraire. Et à partir de là, il y a toute la vie qui s'agglutine. Et puis, il y a autre chose. C'est que j'aime pas les romans sans héros. Et un héros, c'est quelque chose d'assez positif pour moi. C'est quelqu'un qui cherche l'impossible. Et ça, il y a des gens qui l'ont vu. Que dans tous mes romans, il y a une recherche de l'impossible. L'impossible qui pardonne les gestes. L'impossible qui fait que quelqu'un s'arrête. Alors là, tout d'un coup, s'arrête dans le roman et regarde la mer ou regarde un insecte ou n'importe quoi. Et il part dans l'immobile. L'immobile qui tue le roman et qui, en même temps, lui donne un passé, un présent et une sorte d'au-delà. Mais oui, ce n'est pas seulement le mouvement, c'est aussi son contraire. Et je crois que c'est très sensible dans mon dernier roman, où les gens sont emportés par des passions et des difficultés. Les difficultés de la vie jouent un grand rôle dans le roman. Mais il n'y a pas de médiocrité. Il faut qu'il y ait quelque chose d'héroïque dans le roman. Et le seul héroïsme qui m'intéresse encore, c'est l'héroïsme de l'impossible. Parce que on dit à l'impossible, nul n'est tenu. Eh bien, nous ne sommes tenus qu'à l'impossible. J'ai dit, le roman est un mouvement. Et un mouvement ne peut aboutir qu'à la mort, avec nos frêles moyens. Nous ne sommes pas des machines perpétuelles. Et fatalement, du moment que nous sommes en mouvement, nous sommes en mouvement vers la mort. Mais on peut faire toutes les hypothèses sur la mort. Il y a celle de Jarry qui est intéressante. Il dit que la mort, c'est le paradis immédiat, parce que c'est la décomposition des neurones du cerveau. C'est une grande fête, la décomposition des neurones du cerveau. Toute expérience se met en fête. Quand j'écrivais un roman, le dernier, que je me jetais à corps perdu dans une aventure où j'étais libre avec mes personnages. J'étais libre d'encaisser leur fatalité. C'était une tranche liberté, mais c'est la plus dure. Un homme, c'est un animal sans catégorie. C'est pourquoi le titre de Mouziel est si fascinant, l'homme sans qualité. C'est-à-dire qu'il n'est tenu par aucune qualité, il passe par toutes les qualités. Et ça, c'est tant que le roman vivra, il y aura cette